Et que tu l'amènes ici pour son plaisir. Moi, mon Vera, je veux pas qu'on me le fatigue. Ta truie, c'est une cochonne. Elle va nous le tuer, notre Vera. Je veux plus. Alors il me dit, ton Vera, il est bon à rien. Il a dit ça? Eh ben, il en trouvera souvent des Vera comme le nôtre. Mais alors moi, je t'y ai dit, ben, mon Vera, c'est une bête courageuse. De premier rang, forte et tout. Alors il m'a dit, ton Vera, il est faible des reins. Alors je dis, c'est pas vrai, tu es un menteur. Alors il m'a dit, tu es un enfant de l'assistance publique. Oh, et ça, c'est vrai, je suis un enfant de l'assistance publique. Mais c'est maître Clarius qui m'a élevé, et je lui dois tout. Et je veux pas qu'on dise du mal d'aucune personne de la famille. Ah, calme-toi, Saturnin. Mais bois ton café. Alors il me dit comme ça, ton Vera, c'est pas un homme. Ah, oh, ça, je le sais que c'est pas un homme. Et puis alors, comme il était tourné de dos, il est foutu un coup de pied au derrière. Abélis? Ah non. À la truie. À la truie, oui. Alors il m'a couru derrière pour me frapper, je suis rentré où il y avait le Vera. Et alors il m'a pu l'attraper, il est parti. Eh bien, t'as bien vu, hein. Et puis, s'il n'est pas content, notre Vera. Où tu vas, Angèle? Je suis en croisée, au Doubs, pour chercher les poulets. Hein? Et en revenant, je ferai commission au village. T'as la liste? Oui, mère. Qu'est-ce que tu ajoutes? Un constat parfait. Quoi? Un paquet ou deux paquets? Deux paquets. On fumait trop. Saturnin, je fume trop? Non. Pourquoi tu dis ça? Puisque tu sais que je fume trop. Mais je sais pas moi-même. Alors ça te fait rire de ne pas dire la vérité? Oh, vous savez, pour moi, la vérité, c'est ce qui vous fait plaisir. C'est dans le couillon. Salut, Robert. Voilà, j'ai encore un peu de café, hein. Moi, j'ai profité de la voiture, je vais jusqu'au prêt, hein. À ce soir.
C'est vrai, mais à Poitou, c'est une ferme. Et qu'est-ce que tu veux que ça soit? Ah oui, une ferme, c'est une ferme. Moi, c'est une ferme. Eh bien, et moi, je suis née dans une ferme. Ah oui, mais toi, tu n'es pas pour y rester toute la vie, toi. Toi, tu es une vraie princesse. Il ne te faut pas un paysan. Et qu'est-ce qu'il me faut? Oh, ben toi, il te faut un monsieur qui porte le col tous les jours avec la cravate à ressort, avec les souliers coupés ici, tu sais. Enfin, un monsieur de la ville, quoi. Je n'en vois jamais. Ah, si tu venais avec moi au bagne, quand je vais faire les grandes provisions tous les mois, tu sais. Il y en a, il y a le fils du quincailler, il y a le fils du bureau de tabac, il a 25 ans peut-être. Il a plein de poils sur les mains, avec des dents grosses comme ça. Il est superbe. Nous reparlerons de ça un autre jour. Alors pour les hiérarches, il dit non. Oh, je t'ai pas dit de vous dire ça. Oui, ben non. Puisque tu veux que je dise non, je dirai non. Oh, et dis-lui ce que tu voudras, je suis bien heureuse comme je suis. Bon, alors moi je vais à la ville couper un peu des sarments. Adieu demoiselle, à ce soir. Hein? Adieu Saturnin, à ce soir. Pour la nourrir. Oh, pauvre Santor. Mais c'est pas pour la nourrir que je la voudrais.
Ça serait plutôt pour qu'elle me nourrisse. Dis donc, elle est jeune, le gars de la montagne, hein. Cette cochonnerie de travail, ces tracteurs, ça fait trop de bruit, ça, c'est pas fait pour moi, hein, non. C'est pas une vis. Il faut être l'andouille, né de l'andouille pour s'accoutumer. C'est bon pour toi. Et moi, je suis de la martiale, je sais nager. Ce qu'il me faudrait, tu vois. C'est une femelle dans la genre de celle-là. Ça, mon vieux, c'est de l'or. Tu payerais pour 500 balles de francs à l'étalage, des deux sous d'attaque, un promenoir à l'Alcazar, et aller jouer au boulot, un jour dans l'autre. Ça te rapporterait dans les 300 balles, c'est pour prépayer. Petite, où est ton vélo? Derrière les cousins. Je te le prends jusqu'à ce soir, hein? Non. Allez, les amis, je fais un tour. S'il a changé d'air pendant quelques temps, c'est peut-être à cause de la police. Mais impossible. Ouais, ça n'a pas de nerf. C'est creux comme un mauvais radis, ça ne sait même pas tenir une pioche. Et toujours à s'en prendre au bon Dieu, comme si c'était lui le responsable. Avec ça, il se fait des approches au cœur, en se trempant les cheveux dans les fontaines. Et puis il se fout du parfum sur la gueule comme une femme de peu. C'est un cochon, voilà ce que c'est. Bonsoir. C'est qu'il va encore ce cochon.
m'étonnerait pas qu'il aille s'occuper de la fille de la voiture. Mais je ne connais pas. Peut-être qu'il a fait connaissance. Et vous donc? Ce serait bête, alors. Cette fille-là a l'air de quelqu'un d'honnête, de propre. Quelqu'un de gentil. Tandis que lui... Est-ce que tu crois qu'une fille comme elle écouterait un homme comme lui? Eh, avec des femmes, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de lait ce soir. 1 millilitre. C'est guère. Faudra encore l'amener au bouc, cette bête. Qu'est-ce qui siffle? Ça doit être le berger des Roumaniens. J'ai vu passer. Chercher du bois. J'ai envie d'aller voir lui. Oui, t'es, vas-y. Ça lui fait toujours plaisir. Je vous remercie bien d'être venu. Oh, ne me remerciez pas. Si je suis venue, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas rester ici. Si mon père vous voit, ça fera un malheur. Il va rentrer tout de suite. Et quoi, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Je fais pas de mal à personne, je vous parle. C'est pas défendu? Oui, c'est défendu. C'est pas bien de venir vous parler comme ça en cachet. C'est pas bien, vous non plus, de donner des coups de feu aux gens. Oh, si je vous ai fait mal, je le regrette. Après tout, vous êtes peut-être un brave garçon. Oh, mais quoi aussi, il fallait pas essayer d'arrêter le cheval. Je voulais vous parler, je voulais vous dire mon secret. Et vraiment, je savais plus où j'étais. Pourquoi? Je peux pas vous le dire. Puis ici, nous n'avons pas le temps. Oh, vous avez raison. Oh, Dieu, nos affaires ne me regardent pas. Allez-vous-en, puisque je vous le demande et ne revenez plus. Ça vous ferait plaisir que je revienne plus? Oui. Bon. Alors, je ne reviendrai plus. D'abord, je dois partir demain, alors. Ah ben, je quitte le pays pour toujours. Et alors, ça m'aurait fait plaisir de vous parler 5 minutes. Mais puisque ça ne vous plaît pas, c'est un mieux pour moi. C'est fini, je m'en vais. Alors, adieu, mademoiselle. Adieu. Je vous dis, mademoiselle, parce que je ne sais pas votre nom. Mais il n'est pas joli, mon nom. C'est Marguerite? Non. Lucienne? Non. Marie? Alors c'est Joséphine. Angèle. Angèle? Et vous dites qu'il n'est pas joli? Mais dites, c'est un joli nom, Angèle, vous savez. Vous, vous ne le voyez pas parce que vous en avez l'habitude. Mais moi, je le trouve merveilleux. Angèle. Moi, je m'appelle Louis. J'ai un cousin qui s'appelle Louis. C'est un nom qui vous plaît? Oh, vous savez, le nom des hommes, ils se ressemblent tous. Adieu, monsieur Louis. Et ne revenez plus ici pour me faire des misères. Et moi, je vous fais des misères? Non, je ne dis pas que vous m'en faites, mais vous voudriez bien m'en faire. Alors, adieu. Alors, adieu? C'est pour toujours? Mon père! Mais Dieu garde si l'on voit. Venez. Mais baissez-vous. Ça va pas? Non, ça ne va pas se faire. Mais je leur plairais pas de voir que je parle à un jeune homme qui n'est pas du pays. Ah, naturellement, ça c'est la mentalité des campagnes. Mais moi je suis de la ville. Ça se voit. À quoi ça se voit? Parce que vous avez beaucoup de toupets. Naturellement, j'ai vu du pays, moi. J'ai pas passé ma vie dans un trou. Vous avez de la chance? Alors écoutez, mademoiselle Angèle. Puisque vous ne voulez pas que je reste, je vais vous obéir. Je vais partir. Mais avant, je vous en supplie, faites-moi une grâce. Et...
cadeau. Faites-moi une faveur. Laissez-moi vous avancer. Pourquoi faire? Puisque je pars. Angèle. Vous ne pourriez pas sortir? Non, ça, c'est pas possible. Où c'est la fenêtre de votre chambre? Angèle! C'est du rez-de-chaussée. Mais c'est pas possible parce que ce n'est pas bien. Écoutez, Angèle, je pars. Vous savez. Laissez-moi vous parler une heure. Non. Une demi-heure. Écoutez, Angèle, s'il le faut, j'attendrai toute la nuit. Oh, écoutez, dès qu'ils dormiront, je reviendrai si je peux. Ce serait une chose à le tuer. Qui? Louis. S'il fait ce qu'il a dit avec cette fille, ce serait une chose à le tuer. Toi qui le tuerais? Ah, moi non, c'est une chose qui ne me regarde pas. Mais si quelqu'un aimait cette fille... Comme toi, par exemple. Toi, elle te plaît, va. Dis la vérité. Non, elle me plaît. Non, moi je suis de la montagne. Elle me plaît, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est ça, la plaisance? On dit elle me plaît, et ça veut dire je ne l'aime pas, mais je voudrais bien faire avec elle tout ce qu'on fait quand on aime d'amour. Nous, non. Nous, une femme, on la respecte. On l'aime pas ou bien on l'aime. Alors ça, c'est beau. Peut-être que tu l'aimes? Non. Non, il faut pas dire ça si vite. Aimer, vois-tu, ça vient de plus loin. C'est plus long que ça. Passe-moi ton couteau. Oula, comment est-ce qu'il a de l'âme? Neuf. Oh, où vous avez pris ce poing? Mais dans votre chambre, là, c'est... Ben... Mon père, vous l'avez vu? Mais quoi, asseyez-vous quand même une minute. Allez, allez. Vous n'avez pas peur que le chien va voir? Le chien? Il est mort le mois dernier. Mais vous êtes une belle menteuse. Vous m'avez dit, si vous voulez, je lâcherai les chiens. Oh, ben j'avais peur de vous, je ne vous connaissais pas. Quelle idée d'avoir peur de moi. Vous êtes assez grande pour vous défendre. J'ai de la force. Mais je pensais que peut-être je ne saurais pas m'en servir. C'est ça que je craignais. Et votre père, qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Oui, il dort. Et puis d'ici, je vois la fenêtre de sa chambre. Alors s'il allume, comme ça, je le saurai. Et puis d'abord, vous savez, je ne peux pas rester longtemps. Merci quand même d'être venu. Même pour une minute. Alors vous partez? Ouais, je pars demain. Je vais reprendre mon vrai métier. Qu'est-ce que c'est votre vrai métier? Je suis musicien. Comme votre ami, alors. Tu n'es qu'il joue de l'harmonica à la terrasse du passé. Non, lui, c'est un paysan. Un vrai. Il a remarqué que je ne dis pas du mal des paysans. Je veux dire qu'il n'est pas musicien. Moi, je joue du violon dans les orchestres de brasserie. Oh, je ne suis pas un grand artiste. Enfin, je me débrouille. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à la campagne? C'est pour ma santé. Vous savez, c'est terre des brasseries, là. Toujours en smoking, avec un col dur et un plafond. Vous savez, ces habits de soirée. Et alors, respirer de la fumée, c'est mauvais pour les poumons. Oh, oui. L'air de la ville, c'est pas bon pour la poitrine. J'avais une amie, une jeune fille du village. Elle est partie à Aix, place des Bonnes. Elle était obligée de revenir. Elle commençait à tousser. Moi, c'est ma mère qui s'en est aperçue. Un soir, elle m'a dit, Louis, il faut que tu quittes ton travail et que tu ailles à la campagne. Alors, je lui ai dit, mais je vais m'embêter. Et alors, c'est elle qui a eu l'idée de me faire embaucher par une entreprise de défrichement. Vous savez, ces grosses charrues. Ah, oui, je les ai vues. Mais comment vous avez fait pour apprendre si vite? Vous savez qu'elle donne l'instruction. Ah oui. Oh, ça aide beaucoup dans la vie. Mais ça vous a plu, la campagne? Mais au commencement, ça m'a déplaisé. Et maintenant, je ne regrette pas d'être venu. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé la
santé. Bon, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a vous. Ah. Je vous ai connu, vous. Oh, moi. Moi, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça peut me faire que je vous aime. Ouais, vous le savez déjà, puisque je vous ai déjà embrassé. Embrassé, c'est pas grave. Oh, puis qu'est-ce que je suis pour vous, une fille de la campagne? Qu'est-ce que c'est, un amusement? Ne croyez pas ça, Angèle, c'est tout le contraire. Vous êtes belle naturellement, vous. Vous êtes comme la fleur de la colline. Chaque fois que je vous vois, ça me fait comme un coup dans le cœur. C'est formidable, je sais pas pourquoi. Ici, vous devez en avoir des amoureux. J'en ai pas. Comment, une fille comme vous? À quoi ils pensent alors les garçons de la campagne? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Et puis ils sont timides. Ils n'osent pas parler aux filles. Et puis quelquefois, quand ils essayent, ils ne savent pas. T'as dit que les gens de la ville, il y en a souvent qui disent des jolies choses. Seulement peut-être qu'ils ne pensent pas. C'est pour moi que vous dites ça? Oui. Est-ce que je vous plais, c'est possible. Mais peut-être que vous n'aimez pas d'amour. Et pourquoi? Parce que vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que ça fait, ça? L'amour, vous savez, c'est comme les grandes maladies. Ça vient d'un seul coup. Tout d'un coup, on a le frisson et ça y est, on est pris. Angèle, vas-y, c'est... Oh non. Oh non, c'est pas bien ce que je fais là. Si ma mère vous voyait... Oh, ton mère. Soyez bien à ta fille. Oh. Oh, dites. C'est vrai, qu'as-tu le faire avec mon père? Angèle, je vous aime. Non. Oui, je vous aime. Non. Non. Toi. Non, pas ça. Toi, non, je veux pas, je vous en prie. Non, pas ça. Non. Ayez les enfants, je me la casse. J'ai touché la semaine et en route. Qu'est-ce qu'il veut de faire de celui vernis? Moi. Eh, tiens, pour Pépino. Qu'est-ce qu'il veut, un pantalon? Le seul pantalon de la chambre qui n'est pas une pièce au cul. Moi. Défends-toi. Qu'est-ce qu'il veut, une casquette? C'est la dernière mode de Paris. Moi. Ah non. Ça, je l'offre à Monsieur Amédée. Monsieur Amédée, t'emmerde. Bon. Monsieur Amédée ayant refusé grossièrement mon cadeau, je l'offre à celui qui l'attrape. Ouais. D'être là-bas. Merci. Yeah. Qui est-ce qui veut? Ah non, ça c'est trop beau. Ça je me le garde pour moi. Hein. Où vas-tu? À la mafia, là. Tu as trouvé du travail là-bas? Oui. Et du beau, oui. Écoute, Quatre, aujourd'hui tu as campo jusqu'à midi, hein. Eh bien, si tu veux venir avec moi, je te ferai voir quelque chose de joli. Et tu verras un peu si on est des merdards à la mafia. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Eh bien, et tu le verras. Allez, viens, là. Ça y est, c'est ma gonzesse.
fait. Oh, bah j'en ai eu au Bolima, quoi. Comme les autres. D'abord des mots, puis des baisers, et puis là. Et maintenant, j'en fais ce que je veux. C'est pas vrai. Attends 5 minutes que son père soit parti. C'est le vieux qui est là-haut. Leur ferme est juste là derrière. Elle s'appelle Angèle et Barbarousse. Et tu l'as eu comme ça? Ouais. Alors c'est une fille qui devait en avoir l'habitude. Eh ben non, mon vieux, tu vois. Moi aussi j'ai pensé comme toi. Mais j'y suis allé carrément. Hein. Et puis mon vieux, c'était tout neuf. Ça m'a fait quelque chose, tu vois. Oh ben je lui voudrais ça, tu sais. Avec moi, elle sera pas malheureuse. Tu vas lui faire faire le métier que tu disais. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, tonton? Tu es tout de même pas à passer comme un boniche, non? Pas toi ce soir, la nuit. Tu vas l'attendre derrière chez elle. Et en route. Mais tu sais bien que je veux partir et que je partirai. Mais tu peux en être sûr. Mais je partirai ce soir à 9h, 9h30. Écoute, tu m'as dit que pour moi, tu étais prête à n'importe quoi. Tu m'as dit, je ferai tout pour toi. Alors, tu fais tout ou tu fais pas tout? Tu sais bien que je fais tout.